Ce midi, on est allé manger à la Chipote à Bandol avec Chloé et Seb. Écoutez, je connaissais pas du tout le resto et c'était vraiment super bon, messieurs, dames. Je vous recommande de dingue. C'était trop chouette, le cadre est juste incroyable. J'ai même pas pris de photo. Now, hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffing that up, a lip up, little lady. You told you that it's here to hold you through the night. I know mommy's not here right now. Bon, ce midi, on est allé manger avec des amis qui ont deux filles aussi, qui ont eu des jumelles 2 mois avant nous. Et un truc de dingue, c'est que quand on a pris Lou avec nous, donc on l'a mis dans la voiture, elle a dormi. On a mangé tout le long du resto, en sachant que mes amis ont eu un peu de retard et tout. Donc, elle a dû dormir presque 4 heures d'affilée. Chose qu'elle ne ferait jamais à la maison dans la journée, quoi, dormir 4 heures d'affilée. Mais quand on est à l'extérieur, qu'elle est dans sa poussette, elle peut dormir des heures et des heures sans se réveiller et sans sourciller, quoi. On va limite vérifier qu'elle respire encore. Et je trouve ça hallucinant que quand on soit à l'extérieur, avec le bruit, le fait qu'on la trimballe en poussette, on la sorte de la voiture, on la remet, elle bronche pas. Et à la maison, elle est dans son petit lit trop bien et ça dure 30 minutes. Donc vraiment, je trouve ça assez hallucinant.